devient peut-être un favori pour la victoire d'étape. Lâchez Laurent Belay. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant le tour. Peut-être. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance-Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la deuxième de la sortie du dimanche, et c'est un grand plaisir de vous retrouver, et avec moi j'ai un homme heureux, c'est Benjamin. Salut Ben. Bonsoir tout le monde. On y reviendra tout à l'heure, mais Benjamin qui a été moqué dimanche dernier, du coup avec son pronostic Benjamin Thomas, et finalement l'habitant de l'avoir qu'il est satisfait de la victoire de son protégé. On en parlera tout à l'heure. J'ai avec moi aussi Greg. Salut Greg. Salut à tous. Alors messieurs, on va commencer avec le Saudi Tour. Si vous le voulez bien, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette course, parce qu'à vrai dire, moi j'ai trouvé assez sympa à suivre pendant ces quelques jours. Greg, si tu veux débuter. Bon, sympa, j'irai peut-être pas jusque-là. C'était surtout l'occasion, voilà, de la rentrée, peut-être des sprinteurs. On a vu Ewan, on a vu Groenewegen gagner. C'était peut-être, après, on reparlera du vainqueur surprise ou demi-surprise avec Van Gils. Mais j'ai pas trop. Voilà. L'intérêt, c'est peut-être de voir la reprise. Est-ce que Groenewegen allait regagner? C'était, je pense, tout ce que les suiveurs regardaient, ce n'est pas non plus une start list totalement folle. C'est vrai que Benjamin, il y avait une interrogation sur Groenewegen qui changeait de crèmerie, et il a bien répondu en remportant pas moins de deux étapes. Ouais, tout à fait. Mais écoute, il confirme qu'il est de retour au plus haut niveau, que ses soucis, on va dire, d'ordre. Comment on pourrait dire ? Pas dire d'ordre psychologique, mais tout le bad buzz qu'il y avait autour de lui par rapport à qui arrivait Jakobsen, d'ailleurs qui lui aussi enchaîne les victoires, semble être derrière et très fort. Contrairement à Greg, j'ai trouvé que la course était en effet pas mal sur les étapes avec un peu de relief entre bordure et puncher. Ouais. Pardon ? Quand on pouvait les voir, parce que la première, on n'a pas pu la voir. C'est vrai que... Heureusement, on a attendu. Mais c'est là qu'on voit qu'on est accro au vélo, parce que je sais pas vous, mais moi, j'étais pendant une heure et demie devant le truc, les rediffusions, puis le pauvre petit garçon là, qui est tombé sur la ligne d'arrivée. Bah, ouais, et en plus, je voyais les gens qui râlaient, je râlais un peu aussi, mais c'est là qu'on voit qu'on est quand même mal habitué, hein, parce qu'à l'époque, on ne l'aurait pas eu cette course à la télé. Ouais, c'est vrai. Alors, pour revenir un peu à la course, on a eu un vainqueur un petit peu surprise, Maxime Van Gils, qui a bénéficié d'une bordure et qui a été très costaud hein, sur l'avant-dernière étape, l'étape Rennes, puisque sur les pentes hein, angliresques, c'est vrai qu'ils n'avaient pas exagéré, je trouve, les organisateurs. La pente était assez impressionnante, pourtant sur une espèce d'autoroute, Greg, hein, qui rendait vraiment bien, et c'était assez impressionnant à voir la démonstration du jeune Belge qui a réussi à lâcher Badjoli. Effectivement, c'était alors, depuis quelques années, on regarde beaucoup les jeunes coureurs, et Van Gils, c'était peut-être un coureur qui était un peu sorti des radars, parce que l'année dernière, je crois qu'il y a eu le Covid, et ça, il a mis du temps à s'en remettre. Il avait peut-être un top 10, je crois, sur le Tour de Wallonie, et alors qu'il avait fait une année 2020, alors il n'a que 22 ans, hein, donc il avait fait une année 2020, il a été plutôt en vue sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc, sur le petit Lombardie, donc voilà, c'est un coureur qui n'a pas fait une bonne année 2021, qui a fait du cyclocross, je crois, plus jeune, et ouais, je pense que c'est une bonne surprise de le voir ici, et voilà, peut-être que moi je ne m'y attendais pas du tout, et je suis assez content de voir, alors il n'a que 22 ans, mais c'est vrai que pas grand monde, je pense, l'attendait sur cette course. Non, moi j'avoue que j'ai été surpris hein, de sa performance, dans le bon sens du terme. Ben, pour finir sur la course, un petit mot sur les Français. On a Genias qui fait un beau top 10. Et c'est dommage, Axel Zinglet était bien parti et il a pris une bordure à un moment qui l'a empêché de jouer le général. Ouais, bon après, Axel Zinglet, c'est un néo-pro, il apprend.
Il apprend et puis la team Cofidis place quand même deux hommes dans le, enfin, deux hommes dans le top 11, c'est Alexis Renard et Simone Consonni. Genius fait une bonne perf. Les BNB ont été là, bon, alors ils sont un peu dépassés dans la finale avec Cyril Barthes et Elliot Lieter qui font 12 et 13. Très bonne recrue pour la totale, Daniel Hoss qui fait 6 sur un parcours qu'on n'attendait pas, mais je pense qu'il a été avantagé par le vent. Et du coup, quand les autres arrivaient un peu entamés dans les bosses, lui, il était encore Ouais, puis frais. il était dans la bonne Et bordure en plus sur l'étape Rennes. c'est ça. Et je soulignerai également le beau comportement de la team Arkea avec Benjamin De Clercq 9e. Et Donovan Grondin qui fait 15e devant Lennart Kamna. C'est sa première vraie performance sur route, j'ai envie de dire, hein, à Donovan Grondin sur une point 1. On rappelle qu'il est médaillé de bronze des Jeux Olympiques avec justement Benjamin Thomas. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, vous avez cité Consonni, les gars, il n'a pas eu de bol Consonni, parce que vous avez vu à un moment, il a un incident mécanique et il a pris. Il a eu, enfin, ça a mis pas mal de temps pour le dépanner. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu prétendre un peu mieux. Stradri nous parle de Buitrago qui a fait une belle perf. Effectivement, il a été assez impressionnant sur la première étape difficile où il a disposé bah, de Bagioli, encore une fois, qui n'a pas eu de bol, parce qu'il a été battu deux fois par plus fort que lui. Et Buitrago ensuite bah, piégé dans le coup de bordure sur l'étape Rennes, ce qui lui a coûté certainement le classement général. On enchaîne, les gars, si vous le voulez bien, du coup, avec le Tour de Valence. Alors, Greg, après la deuxième étape, si je ne dis pas de bêtises, on s'attendait à un vrai Remco Chaud, et au final, le jeune prodige belge a été battu par plus fort que lui. Oui, alors après, peut-être que tu voulais revenir aussi sur l'étape avec la partie en gravel. Ouais, parce que Mais je c'est dois avoir vrai. votre avis après, du coup, sur Voilà. cette Mais c'est manche de vrai qu'il avait gravel. été assez impressionnant sur la toute première étape. Je trouve impressionnant de puissance. Alors, dans son style un petit peu caractéristique, quand il démarre et que tout en force, assis sur la selle et que, eh bien, on voit l'écart petit à petit se creuser et les autres qui n'arrivent pas à suivre. Alors, bon, voilà, alors, on va faire le débat juste après, mais c'est vrai qu'il y a eu l'étape de gravel où Vlasov aussi avait été quand même. Moi, je mettrais plutôt en avant, finalement, la perf de Vlasov qu'une contre-performance de Remco. Parce que Vlasov, il a passé une année assez difficile l'année dernière, il arrive dans une nouvelle équipe. Voilà, moi, j'insisterais peut-être plus sur la performance de Vlasov ou même de Carlos Rodriguez, d'Ineos, peut-être que tu veux en reparler aussi. Que sur une éventuelle contre-performance de Remco. C'est ton avis aussi, Ben? Tu penses que c'est Vlasov qui a surperformé plutôt que Remco qui a été un peu en dessous? Que Vlasov ait fait un super résultat, je suis d'accord. Par contre, non, moi j'insisterai sur la défaite de Evenepoel sur l'étape de Antenas del Maigmo. Parce qu'on en avait parlé la semaine dernière lors de l'émission, j'avais dit que Remco Evenepoel il arrivait un peu à la croisée des chemins, qu'on l'attendait parmi les tout grands sur les grands tours, sur les étapes difficiles, tout ça. Qu'il avait 22 ans, que le temps passait vite. Bon, encore une fois, il n'a que 22 ans, mais vu qu'il est très très précoce, il faut voir jusqu'à quel point il peut progresser. On a souvent vu des coureurs qui étaient très forts jeunes et qui stagnaient au bout d'un certain moment. Par exemple, Andy Schleck ou Jan Ullrich. On ne peut pas dire que au-delà de 25-26 ans, ils étaient supérieurs à ce qu'ils étaient jeunes. Et là, alors, il a été super impressionnant sur la première arrivée au sommet, dans un style qu'on lui connaît. Et par contre, sur la deuxième arrivée qui était beaucoup plus pointue. Alors certes, il explose face à Vlasov, il fait une super performance, mais il finit pas deuxième ou troisième, il finit huitième, il finit avec Luis Sloane Sanchez. Et il y a également alors quelque chose que je n'avais pas tilté au premier regard, mais qui a été dit et redit sur le forum, et j'ai dû le voir passer sur Twitter également. C'est la première fois sur une arrivée difficile, sur un classement où il joue quelque chose, qu'un coureur plus jeune que lui le bat. Avec Carlos Rodriguez qui lui met sur cette arrivée presque 30 secondes. C'est vrai que Donc c'est. c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, on va dire. C'est vrai que Stradri nous en parle de Rodriguez et on va en toucher un mot, Greg, avant de passer à ce petit débat sur les gravels. Impressionnant, un très bon deuxième du Tour de l'Avenir l'an passé. Et bah, Stradri nous dit si le col avait été plus long, il serait sûrement rentré. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi, Greg?
Oui, c'est possible aussi. Alors, c'est toujours particulier. C'est parti en gravel parce qu'il y a une part d'adresse, une part de chance pour la crevaison. Je crois que Valverde a crevé, par exemple. C'est un type d'effort totalement différent. Donc, après, oui, c'est fort possible que. Après, voilà, ça change forcément. Alors, pour revenir sur Carlos Rodriguez, c'est vrai, ça fait partie des jeunes qu'on attend. Hein, c'est sa deuxième saison, enfin, sa troisième peut-être chez Ineos. Ça fait tout. Voilà, il a que 21 ans, donc c'est parti aussi des tout jeunes. On parlait de jeunesse avec Van Gils tout à l'heure. Là aussi, un autre exemple. Tu as parlé du Tour de l'avenir, il fait deuxième derrière peut-être quelqu'un dont on reparlera. Et ben voilà, ça fait plaisir aussi de les voir progresser parce qu'après, chez Ineos, on en reparlera peut-être au cours de la saison, mais sur les grands tours, il y a aussi des places à prendre avec la blessure de Bernal. Donc, ça, voilà, encore un coureur à suivre. Bon, il est encore une fois chez Ineos, mais ça va être vraiment, je pense, un coureur à suivre parce que, alors, il y avait que sur, c'est vraiment particulier cette étape des gravels et oui, il a vraiment montré quelque chose. Ouais, alors justement, on va en parler des gravels Benjamin, parce qu'il y a un, je sais plus qui a ouvert le topic sur le forum aujourd'hui, je crois que c'est l'ami Lolo Hera, mais je suis pas sûr à Oui, je crois. 100%. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de tropisme par rapport à ces gravels? Est-ce que c'est une nouvelle mode? Est-ce que ça va perdurer? Bonne ou mauvaise chose? Quel est ton sentiment général, Ben, avant de rentrer vraiment dans le débat sur cette mode, comme je le disais, des gravels, enfin des secteurs hein, gravels? Moi, ça me plaît. Alors, je comprends par contre ce qu'ils disent, et je crois que Charles, tu en fais partie. Déjà, qui Ouais, dit dites-nous sur une d'ailleurs hein, dernière sur le live étape, ce que sur vous la pensez. dernière étape difficile. Pardon? Pardon, je disais, dites-nous sur le live aussi ce que vous en pensez de ces secteurs. Sur la dernière étape d'une course par étape, pas trop pour, surtout s'il n'y en a qu'un. Parce qu'en effet, il y a bon, mais un coureur peut crever et il n'aura pas les autres étapes pour se refaire. Hormis cela, moi je suis pour parce qu'en fait, tout simplement, ça me rappelle les temps héroïques du cyclisme. À l'époque, c'était des chemins comme ça, hein. C'est pas non plus du chemin de VTT. Alors certes, il y a des parties compliquées, mais bon. Et en plus, pas l'impression qu'en montée, ce soit trop dangereux. Je suis pas si sûr que ça, que sur des pourcentages aussi importants que ceux qu'on a vus cette semaine. L'adresse joue énormément. Donc non, moi je suis pour. Franchement, je suis pour et j'espère que, par exemple, que le Tour de France en mettra, mais pas à la fin. Je le mettrai au début ou dans des. D'ailleurs, on en a vu des chemins blancs. Hein. C'est le plateau d'Aiguillères Ouais, où il tout y à en fait. a. Hein. Tout à fait, ouais. Greg, ton Donc avis, toi, non, justement, sur ces secteurs gravel? non. Un peu pareil, ça fait du bien aussi d'un peu changer. Je pense que les organisateurs se rendent compte qu'il faut. Parfois, les courses sont trop prévisibles et que, voilà, ça peut pour un peu varier les parcours. Mais par exemple, moi, ce qui me dérange sur ce parcours à Valence, c'est pas les gravels, c'est qu'après, on a deux étapes au sprint. Oui. Finalement, et que. C'est plus voilà l'équilibre dans le parcours, plus que le. À la limite, j'aurais préféré, après qu'il y ait un contre-la-montre, voilà, qu'il y ait une occasion au moins, soit de se refaire, soit pour rééquilibrer. Parce que finir, voilà, moi, ça me dérange plus de finir. C'est pas les gravels qui me dérangent hein, cette semaine à Valence, c'est les deux étapes au sprint pour finir, un samedi et un dimanche. Je trouve ça quand même très triste. Voilà, pour le spectacle, pour les téléspectateurs, quand on regarde. Voilà, moi, j'aurais préféré un autre équilibre finalement dans le parcours. Et que les gravels, moi, ça me dérange pas, ça me plaît. Benjamin a raison, je suis assez d'accord avec lui. Ah, ça change un peu que les grandes autoroutes, même des cols en autoroute, je trouve que c'est encore pire que ça. Oui, ça c'est vraiment le pire, ça, effectivement. Je vois un commentaire de Biotime qui parlait de surenchère. Benjamin, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque justement à ce niveau-là de toujours essayer d'aller plus loin pour le spectacle? Ouais, bon après c'est quoi la limite? La limite ça serait que les coureurs puissent pas monter à vélo et qu'ils montent comme un cyclocross. Les marches, mais au final, les disciplines se rejoignent. Hein. Donc, tant qu'on va pas chercher des murs à 35% où en VTT tu dérapes, bah, c'est du gravier. Non, je pense pas. Après, de la surenchère, on en a tout le temps. Hein. Et puis la Vuelta a innové avec l'Angliru. Alors, en Italie, ils sont allés chercher le Zoncolan, etc., etc. Non, encore une fois, c'est quoi qu'on appelle surenchère? S'ils trouvent un col de 20 km en gravel, mais qu'ils le fassent.
On a le Finestre, ça va pas poser souci. Alors peut-être qu'il y aura des routes un peu moins propres que le Finestré, mais bon, est-ce que ça va à l'encontre du cyclisme? Je trouve pas. Je trouve que Paris-Tours n'a jamais été aussi intéressant que depuis qu'il y a les chemins de terre. Alors il y a des gars comme Matteo Trentin qui gueulent. Ça va quoi, ça va. Aujourd'hui, il y a le protocole. Dès qu'il fait un peu froid, dès qu'il y a du verglas ou quoi, ce que je comprends pour le verglas. Bon, je pense qu'il peut faire des chemins de terre. Hein. C'est de là que part le cyclisme, encore une fois. Oui, tout La à fait. légende du cyclisme s'est créée sur des chemins comme cela. Je pense que si on compare l'ascension qu'on a eue aujourd'hui et le Tourmalet en 1910, bon, je sais, certains vont me dire, Benjamin, qu'est-ce que tu vas chercher, mais. Mais voilà, et puis, donc non, franchement, il pourrait presque même trouver une étape entièrement de gravel, qu'il le fasse. Hein. Encore une fois, on parle d'une étape, on parle d'un secteur sur une course, il faut pas oublier que tout le reste, c'est de la route. Et justement, je vois quelques commentaires sur le chat et c'est vrai que ça rejoint aussi un point de vue que j'ai, donc je ne suis pas totalement objectif non plus, Greg. Est-ce que, bah toi, et puis après je vais demander aussi l'avis de Benjamin, est-ce que vous différenciez quand même l'aspect course par étape et l'aspect course d'un jour? Vous savez qu'on voit des épreuves comme l'Estrade, bon, tu sais à quoi tu vas Identité. t'attendre, la nouvelle course en Espagne qu'on va avoir dans dimanche prochain ou lundi prochain, je ne sais plus, c'est un peu pareil. Je vois CPT Matros qui nous parlait des pavés aussi sur les grands tours. Est-ce que ce côté un peu aléatoire et risqué, on devrait le laisser sur les courses d'un jour et mettre ça de côté sur les grands tours ou pas du tout? On devrait faire un mix pour toi? Non, enfin, il en faut aussi de temps en temps sur les grands tours parce que ça fait partie du cyclisme. Sur un grand tour, on veut, enfin, il faut mettre en valeur les coureurs les plus complets possibles. Donc, qu'il y en ait de temps en temps, je pense que c'est quand même nécessaire. Ah, de toute façon, il n'y en a pas chaque année d'ailleurs, hein, des pavés, il n'y en a pas chaque année, c'est de temps en temps. Je pense que c'est bien qu'il y en ait de temps en temps, mais qu'on varie aussi. Il faut apporter un peu de changement. On a trop souvent râlé sur des courses stéréotypées, très prévisibles, avec des trains-trains qui contrôlent la course. Voilà, au moins les organisateurs essaient d'un peu changer, d'amener. Alors c'est de l'aléatoire, oui, mais il y a toujours de la chance. Hein, je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'une crevaison, quelle que soit la situation. On n'est jamais à l'abri, voilà, d'une chute au mauvais moment. Ben, ça, c'est le vélo, malheureusement. Et que ce soit les chutes, les crevaisons, ça fait partie de l'histoire du cyclisme. La chance et la malchance, ça fait partie de l'histoire du cyclisme, que ce soit sur vraie route, que ce soit sur. Chemin, on va dire, grave type gravel ou pavé. Mais est-ce que Donc, Benjamin, cette émergence des secteurs empirés, ça rejoint pas un peu le fait qu'on voit des coureurs qui sont vraiment multidisciplines, comme Van Der Poel, qui fait du VTT, qui fait du cross, qui fait de la route, mais on a Pidcock, on a Van Aert et on en a quelques autres aussi. Est-ce que c'est pas lié à cette voici. mode aussi hein? Ouais, mais après, en fait, encore une fois, le cyclisme, je vais rebondir sur ta question initiale qui était course simple ou course par étape. Une course par étape, c'est pas forcément le plus fort qui doit gagner. Alors, je parle pas de crevaison, qu'on soit d'accord. Hein. Mais si c'est le but, c'est juste un concours de watts, mais alors on fait du Zwift ou un autre logiciel de cyclisme et on regarde qui c'est qui gagne. Pour moi, le cyclisme, comme je l'ai aimé, c'est parce qu'il y avait plusieurs tactiques de course, plusieurs types de coureurs, qu'un coureur, au bout de 150 km avec une seule ascension n'était pas forcément le meilleur sur une étape de 220 bornes avec 4 cols. Il faut de la diversité, il faut que tout, comme l'a dit Greg, il faut que tous les types de coureurs puissent s'exprimer. Je vois Stereo King qui dit dans le chat, il en faut aussi sur les GT, mais pas plus d'une étape par édition. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi on doit se limiter à une étape de pavé? Pourquoi on doit se limiter à. Moi, je veux des grands tours avec des étapes vallonnées, des pavés, des chemins de terre, des contre-la-montre. Je veux des étapes de montagne courtes, mais je veux également des taponnées, des étapes longues. Je veux de tout. J'en ai marre de voir des grands tours, des courses par étapes qui sont toujours sur le même système. Non, je veux de la diversité. Je veux qu'un coureur puisse se faire piéger. Je veux également
que des coureurs qui sont peut-être un peu moins forts sur certaines ascensions aient les possibilités de prendre du temps sur un autre terrain. Ouais, alors je C'est ça le vois. cyclisme. Est-ce que c'est pas ça la nature même du cyclisme? Mais est-ce que la condition pour toi, Benjamin, quand même, pour cet aspect un peu plus aléatoire, hein, que ce soit les pavés ou les gravelles avec le risque de chute, d'incidents mécaniques, etc., est-ce que du coup, enfin, ces étapes piégeuses, elles ne doivent pas intervenir, comme je l'ai vu sur le chat, vraiment en début de course, pour pas figer les choses en cas de problème, quoi? Ouais, c'est ce dont je parlais au début aussi. Ça dépend s'il y en a plusieurs. S'il y en a plusieurs, alors non, tu peux en mettre, ça fait partie de la course. Pareil, hein, il est possible qu'à la dernière étape de montagne, il y ait un coureur qui crève dans une descente et qui mette du temps à être dépanné, tout simplement. Ça fait partie des aléas. Alors là, on rajoute des aléas, je suis d'accord, mais... Non, non, et je vois sur le chat, ça parle enlever les oreillettes, tout ça, mais pour moi, Et les capteurs de c'est un puissance, tout. hein, Il par la faut même occasion. faire de la diversité. Il faudrait virer les oreillettes et les SRM. Il y a plein de choses. La Formule 1, a utilisé des règlements pour revenir en quelque sorte en arrière. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on devra passer par là au cyclisme également. Ouais, ça serait une bonne chose, effectivement. Je trouve que c'est un bon mot pour clôturer ce débat. Les gars, on va passer au troisième gros morceau de la semaine. C'était l'étoile de Bessèges. Je vais te laisser la main, Benjamin, parce que tu es forcément un homme heureux ce soir. Belle victoire de Benjamin Thomas, qui a remporté une étape et qui a bien tenu, que ce soit hier sur les pentes du Mont Bouquet ou aujourd'hui où il a résisté, enfin, même mieux que résister, puisqu'il a devancé son principal adversaire, Alberto Bettiol, lors du chrono final. Oui, Benjamin Thomas reprend sa marche en avant sur route. C'est une très belle victoire sur une belle course. Hein. J'ai beaucoup aimé la course à peu près tous les jours. Il a eu du mal hier sur le Mont Bouquet. On voit quand même ses limites dès que ça grimpe longtemps. Après, bon, ben, il joue sur ses caractéristiques qu'on connaissait depuis 2016-2017, hein, puisque lorsqu'il était à l'armée de terre, il a fait des bonnes performances. Sur plusieurs courses, il avait fait 3e du Tour de Wallonie, 4e du Tour du Luxembourg, 17e des 4 jours de Dunkerque. On savait que c'était un rouleur puncher, et il a montré qu'il était là. Il fallait voir également comment il allait tenir au Mont Bouquet. Et ben, là, par contre, je pense qu'il est monté au SRM avec un super Rémy Rochas pour l'aider, hein, parce que s'il gagne l'étoile de Bessèges, il y a une partie de la victoire qui revient également à Rémy Rochas. Hein. C'est très bien. On est sur un coureur qui va profiter des 2 années qui arrivent en condensé là. Donc, il n'y a pas les Jeux Olympiques, il va donner priorité à la route. Donc, on peut espérer voir un peu de son potentiel, jusqu'où il peut aller. Ouais, tout à fait. Une belle victoire aussi, Greg, t'as pris du plaisir. Toi, je vois que c'est un mot qui revient pas mal sur le live aussi à regarder cette course. Oui, parce qu'on a vu des bordures, on a vu des arrivées pour Puncher, on a vu des belles victoires. Coquard, faudra peut-être dire un mot sur sa belle victoire après des périodes difficiles. Le Mont Bouquet, alors c'est pas une grosse ascension très longue, mais c'est quand même une belle petite côte, un contre-la-montre. Donc c'est vraiment, voilà, le parcours était intéressant, on a vu une belle course. Et ben oui, forcément, c'est une très belle victoire pour Benjamin Thomas. Qui voilà, enfin, peut-être que certains veulent en parler. Je vois sur le chat que est-ce que voilà, enfin, il arrive chez Cofidis, il gagne d'entrée. Alors, c'est vrai que est-ce que c'est un fail FDJ ou est-ce qu'il était axé les années précédentes sur la piste, ce qui pourrait expliquer voilà que ce soit pas au top, mais c'est pas non plus innocent. Hein. Lui-même l'a dit que changer d'équipe ça lui a fait du bien sans pour autant accuser la FDJ. Voilà, il arrive dans un autre environnement, peut-être un nouveau rôle, peut-être avec plus de liberté. Et c'est vrai que là, ben, je pense que voilà, il a dû se régaler pendant les 4 jours de course, que ce soit bordure, les arrivées en punch, etc., le contre-la-montre. Il s'est bien arraché sur le Mont Bouquet, donc forcément, c'est une très belle victoire pour lui. Et voilà, ça peut-être relancer sa carrière sur route. Justement, tu me tends la perche, Greg, avant de repasser après la parole à Ben et de parler de la FDJ, hein, on va y venir forcément. Comment tu vois Benjamin Thomas, toi, cette année? Est-ce que sa performance, elle est liée au plateau qui était un petit peu plus faible, forcément, que sur une épreuve du World Tour? Ou est-ce que tu penses qu'on peut essayer, espérer le revoir sur des épreuves où il y a quand même un petit peu de chrono, où il n'y a pas trop de montagne? Parce que Ben l'a très bien dit, c'est vrai que quand c'était dur sur le Mont Bouquet, c'était logiquement un petit peu plus compliqué pour lui. Enfin, bref, comment tu le vois évoluer cette année et quelle performance, selon toi?
Greg? Greg? Oui, pardon. Ah oui, pardon. C'est à moi. Donc, bref, ça suit. Mais comme je l'ai dit, enfin, c'est que il était sur la piste longtemps. Donc, comment on transforme un pisteur? On a bien vu ce que ça donnait chez Ineos, mais il n'est pas chez Il n'est Ineos. pas chez Neos, malheureusement. Ou Malheureusement pour heureusement lui. d'ailleurs, parce Et que. donc voilà, ça va être à suivre. Est-ce qu'il va viser, moi je pense, les courses d'une semaine, style Tour du Limousin, pourquoi pas? Les courses d'une semaine sur la Coupe de France, je pense que ça va être un beau programme pour lui. Après, au-delà, sur les courses World Tour, ça sera peut-être plus limité. Parce qu'on a bien vu, voilà, dès le Mont Bouquet, ça devient compliqué, avec une concurrence peut-être un peu plus forte. Je pense que ce sera trop juste, mais c'est déjà, je trouve, super de gagner sur l'étoile de Bessèges, c'est quand même pour une super performance. Ouais, alors tout à fait, Ben, Greg citait le Tour du Limousin, on le rappelle, hein, tu viens de l'avoir comme Benjamin Thomas. Quelle course tu le vois gagner ou au moins faire des top 10 ou des top 5 cette année? Est-ce que tu pourrais nous citer 2-3 épreuves, Benjamin, où tu le vois vraiment performer? Alors pas forcément le Tour du Limousin qui n'a pas de chrono et qui se passe à Nantes. Les courses où je le vois performer, ben, Tour du Poitou-Charentes, peut-être le circuit de la Sarthe également, les 4 jours de Dunkerque également. Ça peut être des Ouais, courses Cofidis qui peut 87 nous viser. en parle d'ailleurs des 4 jours. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au micro de l'équipe, hein, c'est qu'il visait les courses européennes. Enfin, d'Europe Tour en France cette année qui virait sur les World Tour. Alors les World Tour, si on regarde par rapport à sa carrière, il a fait plusieurs top 10 dans des échappées. On se rappelle encore sur le Tour de Suisse, si je ne me trompe pas, l'an dernier. Ah ouais. Il a fait des top 10 en contre-la-montre également. Après, pour parler de pour viser peut-être un peu plus haut, quand il a commencé le vélo, il a jamais trop... Enfin, jamais trop. Il a pas travaillé la montagne. Je me souviens l'année où Julien Loubet est leader sur la route d'Occitanie. Dès le premier col du jour, le Tourmalet, il n'y a plus personne autour de lui. Et Benjamin Thomas finissait tous les jours dans le groupetto. J'ai discuté avec son frère qui me disait qu'il travaillait pas la montagne parce que le but, c'était d'être performant sur la piste. Le problème qu'il y a eu avec la Groupama, et c'est pour ça que je ne vais pas trop les enfoncer, c'est que Benjamin Thomas, c'était prévu à partir de 2021 de travailler la route. Problème, il y a eu le Covid et les Jeux Olympiques de 2020 ont été reportés en 2021, ce qui a fait perdre un an. La seule fois où il m'a impressionné, enfin qui a commencé vraiment à m'impressionner sur des côtes qui deviennent un peu plus des cols, c'est en 2020 sur Tirreno-Adriatico où il avait été sacrément costaud dans une échappée. Bon, après, il s'était fait reprendre, mais ce jour-là, je me suis dit, ah, ça y est, là, il y a des progrès. Bon, après en 2021, année des Jeux Olympiques, tu comprends qu'il n'a pas travaillé ça. Il faut que le Mont Bouquet lui permette de prendre confiance. Mais encore une fois, là, on parle de passer une étape pour passer la moyenne montagne. Donc après, on verra. Bon, on sait qu'il est très bon en chrono, donc tant qu'il y a le SRM, c'est un autre travail. On a vu des Damien Monnier, des Jérôme Coppel, des trucs comme ça, des coureurs comme ça qui peuvent passer Benjamin Thomas le nouveau, Bradley Wiggins, Thomas Ouais, Ben justement, et ses Benjamin, est-ce frères. que ça sera pour toi, et c'est pas péjoratif, hein, un coureur Europe Tour à la Arthur Vichot sans lui faire offense, ou est-ce qu'il peut passer ce cap et un jour, je sais pas, un tour de Pologne, ou pas le gagner, Ouais. mais Alors, faire des performances sur des. s'il atteint le niveau d'Arthur Vichot, ça veut dire qu'il peut jouer la gagne sur Paris-Nice. C'est vrai, parce qu'Arthur Vichot en 2014 ou 2013, je sais plus. Mais non, en fait, je sais pas parce qu'on va le découvrir cette année ce qu'il peut faire. Il est quand même vraiment neuf sur route. On a vu, alors, le seul exemple qu'on a pour des coureurs qui sont pas des sprinteurs de piste, c'est Wiggins et Thomas. Bon, si, je pense que s'il arrive à la moitié de leur niveau, déjà, ce serait très bien. Mais la chance qu'il a, c'est, je pense que vous le voyez quand il court, c'est qu'il est mince quand même. C'est pas, Oui, c'est, c'est ça pas un reste un gros coureur. gabarit qu'il faut transformer Voilà. en. De toute façon, il est bon en contre-la-montre. Donc on est plus dans ce type de coureur. Après, jusqu'où il va aller, je sais pas. Ce que je peux vous dire, puisque ben, j'étais au club avec lui et j'ai vu l'entraînement que lui donnait son père, tout ça, c'est que clairement, quand il était jeune, c'est pas du tout le style de coureur qu'on a cramé à beaucoup s'entraîner. Non. Je dirais même qu'il était presque en. Enfin, il avait moins d'entraînement que plusieurs jeunes à son âge, au moins jusqu'au junior. Donc, il reste assez neuf. Maintenant, jusqu'où il peut aller, je ne sais pas. Déjà, c'est bien d'avoir gagné l'étoile de Bessèges. Et on verra s'il peut gagner une autre course. Ouais.
Je sais pas, je suis désolé, hein, je C'est peux pas pas trop grave, on vous fera dire. un point en fin de saison, on verra bien jusqu'où peut aller. Oh, Moi, j'ai hâte de voir. dès juin, je pense. Dès juin, je Même dès pense qu'il aura juin peut-être fait aussi. la route d'Occitanie, un truc comme ça. À voir. À voir, en effet. Donc, Benjamin Thomas, vous êtes plusieurs à avoir évoqué la Groupama FDJ, et ça me permet, Greg, une transition parfaite. Alors, moi, j'ai une impression, et tu vas me dire si je me trompe, enfin, ce que tu en penses. J'ai peur que le début de saison 2022 soit la continuité de la saison 2021 chez les hommes de Marc Madiot. Alors, est-ce qu'ils attendaient beaucoup des courses de reprise? Il faut toujours se méfier finalement, parce que à quelles conditions sont, quelles sont par rapport aux objectifs fixés, parce qu'après finalement, si on regarde le classement final, ils sont quoi? Il y a Quentin Paché 10e, Pinot 11e, Reichenbach 13e. Alors, mais je dirais, enfin, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, c'est peut-être plus la Après, c'est une manière que réflexion d'ensemble que je me fais, hein, où à Valence, ils Oui. n'ont pas existé. La Marseillaise, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient forcément acteurs de la course non plus. Ben c'est plus ça que j'allais dire finalement. C'est plus la manière, c'est-à-dire que ils sont quand même très discrets. Ils sont pas souvent à l'attaque, alors que ils avaient quand même normalement, vu les noms alignés, il y avait de quoi faire beaucoup mieux, je pense. Donc c'est plus la manière finalement que le résultat brut. Est-ce que c'est inquiétant pour eux? Non, parce qu'encore, ils ont d'autres objectifs dans l'année. Mais voilà, c'est vrai que, enfin, après, c'est un souci d'effectif peut-être. On a déjà parlé que il est peut-être un Oui, petit on va peu pas refaire léger sur certains le points. débat sur À force d'avoir beaucoup d'équipiers, peut-être qu'il leur manque des mecs pour scorer et pour gagner. Ça, c'est peut-être le souci global. Mais voilà, je suis pas non plus très inquiet. Les grands objectifs ne sont pas là. Je pense que ce n'était pas Bessèges, le principal objectif. Mais pour rebondir du coup, Benjamin, et je vois qu'à Biotime qui nous dit AG2R fait pas mieux. Oui, c'est vrai, AG2R fait pas mieux en ce début de saison. Je suis pas d'accord. Mais je vois, Je tu suis pas rebondiras d'accord parce que pour Godot. je Je te te pose pose ma question, Ben, et AG2R. après tu rebondis sur AG2R. Mais Oui. parce que justement, la différence, c'est qu'AG2R sort d'une très bonne saison. Et est-ce que l'enjeu, en fait, plus que les résultats bruts pour la FDJ, c'est pas de casser cette dynamique, enfin cette mauvaise dynamique de 2021 en gagnant quand même assez tôt pour se dire, allez, on repart sur des bases neuves et on relance une nouvelle saison sur les bons noms, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à faire en fait du début de saison. Alors peut-être tout d'abord, peut-être notre vision est un peu biaisée parce que en face on a des équipes françaises qui se battent pour être au World Tour, que ce soit Arkéa, que ce soit Total Energy. Certes, ils sont très loin, Total Energy. Et Cofidis. Donc là on a des coureurs, des équipes qui veulent lancer une dynamique positive dès le début de saison. Et en effet, quand on les compare à la Groupama et même un peu à la G2R, la comparaison fait mal. Pour AG2R, je ne suis pas d'accord parce que Champoussin est tombé, mais Champoussin était très fort toute la semaine ensuite. Je pense que s'il ne tombait pas, bah, je pense qu'il pouvait jouer la gagne. Oui, puis Cosnefroid a fait une bonne reprise. Félix Ouais. Gall a été bon à Majorque, il n'y a pas non plus. Mais alors ensuite, pour Groupama. Il y a toujours cette inquiétude qui est en plus grossie parce que, par exemple, sur le forum VéloClub.net, il y a une grande cohorte de fans de la Groupama. La Groupama, les points positifs, c'est que Kung, que Madouas et Godu n'ont pas repris. Il y a également Pinot, l'espoir déchu, on va dire. Alors pour moi, la semaine dernière, j'avais dit s'il fait top 10, il sera dans les clous. Bon, il fait 11e, donc un poil décevant. Bon, c'est quelques secondes, mais je l'attendais entre 7 et 10, il fait 11. Après, pour la Groupama, bah, on reste dans l'équipe Groupama. Ils ont été piégés sur la bordure du premier jour. Alors apparemment, Pinot avait un souci mécanique quelques kilomètres avant. J'ai pas vu l'étape, hein, je dis ce que j'ai lu. Alors si ça, bah, on continue dans leur guigne légendaire. Après, c'est l'étoile de Bessèges. C'est l'étoile de Bessèges. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Paché à sa place pour le top 10, tout en rappelant qu'il est pas loin de revenir sur le trio de tête, Bettiol Johansen, Thomas, sur la troisième étape. Il échoue pas loin, hein, et après, bon, il est seul contre trois, ben, il n'arrive pas à revenir, sachant que ce qui le fait se faire lâcher, c'est la chute de Carapace.
Et oh, top 10, il aurait pu, donc il aurait pu faire mieux s'il avait été avec eux. Donc je pense qu'il est à son niveau. Pour Pinot et Reichenbach, c'est pas sur ce type de course que je les attends. C'est vraiment, on l'a vu, le BCH, d'ailleurs, plusieurs coureurs l'ont dit, ça n'avait jamais frotté autant. Bon, sans doute renforcé par le fait qu'il y avait plus d'équipes World Tour que les autres années, il y avait du vent. Et du coup, non. Bien sûr, on les attend toujours mieux. Hein. Pinot, j'aurais aimé le voir jouer la gagne sur les deux dernières étapes. Mais je ne suis pas plus inquiet que ça. Par contre, là où je te rejoins, c'est que quand on les compare aux autres équipes, ah là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Parce qu'en effet, c'était sur deux fronts. Et sur les deux fronts, il y a pas ce Rien. qu'on attend. Mais est-ce que c'est pas ennuyeux? Parce que pour prendre un élément de comparaison, on va peut-être en parler tout à l'heure quand on parlera de Johansen, mais je vois la Uno X Craig, qui est une équipe Conti Pro, et pas la meilleure équipe Conti Pro, hein, parce qu'il y a des formations comme Arkea et Total Energy et Alpecin qui sont pour moi quand même assez nettement au-dessus. Mais je vois bah, Tobias Johansen qui fait 3 aujourd'hui à Bessèges. Je vois qu'au Saudi Tour, ils arrivent à placer un mec dans le top 10, et que bah, certes c'est une pointe 2 en Turquie, mais hier sur un troisième front, ils arrivent aussi à faire un podium. Et bah du coup ma question c'est comment ça se fait que la Groupama FDJ, qui est quand même une des belles équipes du World Tour, enfin au moins une équipe du milieu de World Tour, n'arrive pas en début de saison à au moins faire une performance assez correcte, c'est-à-dire à faire un peu mieux qu'un fond de top 10 sur des épreuves de classe 1. Ou bah Bessèges, quand je vois les noms là dans le top 10, je vois Connor Swift, bon, Thibaut Guernalec, Tom Squint, c'est des bons coureurs, mais c'est pas non plus des cadors. Burgodo, c'est à peu près pareil. Et bon, à Valence, certes, le niveau est plus relevé, mais on n'arrive pas à placer des coureurs bah, dans le top 5, ni à gagner d'étapes ou jouer la gagne sur des étapes. Et bah, est-ce que c'est pas inquiétant de manière générale pour une formation du World Tour? Ou Inquiète, oui. décevant, en tout cas? Oui, au moins décevant. Oui, décevant. Ben, c'est un peu la stratégie FDJ, on la connaît un peu. C'est un peu trop tout pour leurs leaders. Et qu'au-delà de leurs 3-4 leaders, des Godu, des Mar, Pinot, et ben, on verra peut-être d'autres après. Peut-être qu'il y aura Stewart sur les Coupes de France. On a l'impression, un peu Kung de temps en temps, mais on a l'impression qu'il y a point de salut et que. On oublie un petit peu les autres et est-ce qu'ils sont bridés? Enfin, je sais pas. Il y a une drôle d'impression en fait, c'est que pourquoi, voilà, ils sont des coureurs capables de faire comme Burgodo sur ce ou comme Swift, comme tu l'as dit, sur ces courses-là, ces Oui, courses parce que type au niveau des B16. qualités, hein, Quentin Paché n'a pas grand-chose à envier à un Mathieu Burgodo, par exemple. Enfin, Voilà, je et, crois. enfin, on a l'impression, voilà, on le dit sur le chat, il leur manque leurs principaux leaders. Mais ça n'empêche pas qu'ils pourraient très bien avoir un effectif avec des mecs capables de jouer plus haut dans la hiérarchie ou d'être plus offensif. Moi, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu un Rudy Mollard hein, qui reprend la Provence. Ils Mais c'est un reprennent peu la tard, hein, tradition. certains Groupama, je trouve d'ailleurs. Et voilà, enfin, voilà pourquoi Rudy Mollard, enfin, ça aurait été un bon parcours pour lui. Ben, c'est un peu la tradition FDJ. J'ai regardé Rudy Mollard, il fait toujours ces dernières années, la Provence, au Var, Paris-Nice. Des fois un petit peu changé, j'ai l'impression qu'ils sont sur une stratégie très classique, un calendrier très classique. Ils gagneront hein, parce qu'ils ont des super coureurs dans leur effectif. Mais parfois, on a l'impression que ça manque de changement, ça manque de nouveautés, ça manque de mettre le couteau entre les dents, comme on a pu voir. Enfin, voilà, Benjamin Thomas, il avait le couteau entre les dents sur cette semaine et ça fait plaisir aussi. Burgodo, il s'est battu. On a un Garnalet qui s'est battu cette semaine. Enfin, voilà. Ce côté un peu avoir des coureurs couteau entre les dents qui manque un petit peu, je trouve, à la Mais FDJ, qui nous surprennent un peu finalement. On veut de la surprise. pour finir sur ce débat, justement, Benjamin, est-ce que ce que dit Greg, c'est pas en complète contradiction avec ce qu'on entend de Marc Madiot qui nous dit j'ai motivé les mecs, je parlais du débarquement Les Guimauqués, non. est-ce que c'est pas Non, bof. complètement l'inverse et qu'en fait les mecs ils ont juste pensé à Medal of Honor et c'est tout quoi? Non, après, encore une fois, Enfin, c'est toi qui j'exagère, hein, résume. bien entendu, mais Oui, c'est pour non, provoquer mais. une réaction, forcément. On est tellement hype par ce début de saison qu'on oublie parfois un peu que ce n'est que l'étoile de Bessèges et le Tour de Valence. Tout à fait. Peut-être que Godu va faire top 5 de Paris-Nice, Storer, et pas où sera Storer, mais Pinot sera top 10 de Tirreno, et là, on sera fan. Si je dois répondre à. Par rapport à la Groupama, Charles, je te dirais que je pense qu'il leur faut le déclic. Le leader qui va revitaminer l'équipe.
Tu vois, une victoire, là, un maillot de leader, et là, on va les revoir comme ils avaient été au Tour de France 2019. Bon, je parle de 2019, ça commence à faire loin, mais même à la Vuelta 2020, hein, il y avait des bonnes choses. Maintenant, on le sait, hein, Groupama, on prolonge certains gars qui ont peut-être plus trop le niveau World Tour. Et est-ce qu'on n'est pas dans des années de transition hors leader chez la Groupama, en attendant que les pépites qui ont été recrutées cette année de la réserve s'affirment et que les autres de la pépite que les autres pardon, de la réserve grandissent également. Mais est-ce que le problème, c'est pas un problème de dirigeant au final? Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait changer? Parce que je vois encore un commentaire sur le chat, il me dit, regardez Brunel et Benjamin Thomas, les mecs ont le Ouais, couteau ben entre les dents. Brunel, il a rien, il a rien Il a fait fait, deux hein. courses. C'est vrai, mais Brunel, enfin moi j'ai trouvé qu'il a fait plaisir à voir, tu vois, il était offensif et tout, et pourtant il était dans une, enfin, il est dans une espèce d'armada où on pourrait penser qu'il serait beaucoup plus bridé qu'à la FDJ. Benjamin Thomas, tu sens aussi qu'il est heureux. Mais est-ce qu'il n'y a pas, ouais, bah plutôt un problème de dirigeants qui n'arrivent pas à motiver leurs coureurs, ou en tout cas à les transcender, ou à les faire se dépasser? Je sais pas. Je sais. Est-ce que tu pourras me reposer la question dans un mois? Oui. Non, mais de Allez, manière générale, je veux dire, depuis on refait le quelques débat. années, Benjamin, Non, non, non. puisque... Ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai parfois cette impression, mais j'arrive pas encore à mettre les mots sur ce que je veux dire. C'est pour ça que j'aimerais attendre le diptyque Paris-Nice-Tirreno. Pour voir s'il y a vraiment un souci ou pas. Je relance la Mais banane soda je glague alors. comprends tout à fait ce que tu veux dire. Parce que Benjamin Thomas, il y a plein d'étoiles de Bessèges qu'il a fait pas mal avec la Groupama, mais il a manqué un petit truc. Alors est-ce que c'est juste qu'il a grandi, que le parcours, que ceci, que cela fait? Je sais pas. Par contre, voilà, ce que je te dis, c'est que hormis Gaudu, et encore Gaudu, c'est pas une recrue de la Groupama, puisqu'il a fait toute sa carrière avec. J'ai pas l'impression qu'on a un coureur qu'ils ont recruté. De toute façon, ils recrutent peu d'autres équipes, en fait. Notamment un coureur français, où son passage à la Groupama, on se dit, ah putain, là, chez Groupama, ça lui a fait du bien d'y être, il a progressé. Mais est-ce que, Là, bah, j'ai. pour Peut-être finir, Mollard, ouais. mais ça date. Du coup, pour finir, Greg, là-dessus, je vois un commentaire aussi de Ben Kaiser-Fretter sur le chat. Le problème, c'est que si t'es pote avec un leader, t'es prolongé. On en revient un peu à ce qu'on dit depuis quelques mois. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu le souci, la bande de copains? Je vois ce que t'as mis, donc je pense que je vais avoir ton opinion assez facilement. Est-ce que, ouais, c'est pas ça le souci, quoi? C'est de pseudo-bande de potes où tout le monde est dans une zone de confort. Moi, j'entends des choses aussi. Par exemple, j'entends dire que si on ne veut pas aller sur un deuxième grand tour, bon, on n'y va pas, quoi. Le staff va pas forcément forcer les choses. Est-ce qu'on ne confond pas bande de copains et sport de haut niveau parfois chez les dirigeants? Ah, ben donc, enfin, c'est peut-être, j'exagère Enfin, un petit j'exagère, peu, hein, bien évidemment, entendu, mais... en exagérant. Mais je disais tout à l'heure, est-ce que dans l'effectif, eh ben, il y a peut-être, il manque pas deux ou trois mecs, eh bien, qui vont tenter une attaque un petit peu folle, finalement, pour faire bouger la course, qui vont, enfin, là, je parlais de couteau entre les dents, finalement, mais c'est un petit peu ça. On a l'impression que là, sur l'étoile de Bessèges, alors, ça peut être une course de reprise, c'est pas grave, mais on peut tenter un truc. On peut tenter d'être plus offensif, d'être un petit peu devant parce qu'on sait qu'il y a le Mistral et qu'il y aura des bordures. Donc ça, c'est pas une excuse de pas de chance parce que il y a toujours une raison, hein, pour se reprendre dans la bordure. Mais voilà, moi, ce qui me manque, c'est un petit coureur, voilà, un coureur qui nous surprenne enfin. Mais est-ce qu'on conforte pas cet état tranquillou justement chez les dirigeants en disant que c'est pas grave, en minimisant les contre-performances, en expliquant que les grands rendez-vous sont pas encore là? Est-ce qu'on, bah, d'un côté, on valide pas le fait que, bah, on n'a pas trop besoin de se sortir les doigts, quoi, pour, enfin, si vous me pardonnez l'expression. Ben on verra ça, comme l'a dit Benjamin, on verra ça après lors des plus gros rendez-vous, mais c'est peut-être un des soucis ces dernières années sur la FDJ. Peut-être pas, enfin, juger tout sur... là, on est le 6 février, donc ça fait un petit peu sévère aussi. Hein, Bah après, la réflexion qu'on a, elle est plus sur le voilà, moyen c'est terme, quoi, depuis global. quelques mois, Mais depuis ce que je quelques dis pour moi, saisons. voilà, il manque, enfin, dans l'effectif, il y en a peut-être deux, trois qui ont bien de la chance d'avoir leur place et que j'aurais peut-être vu peut-être plus de jeunes, d'autant plus qu'ils ont une super équipe de jeunes, ça pour le coup,
C'est Ouais, ça c'est clair. un petit peu énorme. Voilà, peut-être deux, trois mecs avec un petit le couteau entre les dents qui vont dire ben, Bessèges, moi je m'en fous, j'y vais à fond, j'attaque, je tente un truc. Voilà, moi ce qui me manque à la FDJ. On va passer sur la FDJ parce qu'on pourrait faire que Ouais, des je émissions termine juste un FDJ. truc Hein. sur la Pardon, groupe, Benjamin, vas-y. Groupama. Juste un dernier truc. Ce que je regrette le plus, c'est peut-être leur calendrier qui peut être décevant. Et je vais inclure la Continentale dedans. Donc la Groupama équipe 1, ben, j'ai l'impression qu'ils font souvent les mêmes courses. Bon, alors là, ils ont fait le tour de Valence, mais bon, Algarve, Oman. Ça serait bien de les voir sur d'autres courses, et surtout la Continentale également. Par exemple, pour moi, on n'a pas le calendrier encore, mais je pense que ce n'est pas l'équipe qui manque le plus d'argent. Pourquoi ils ne vont pas courir sur Antalya? Pourquoi ils ne vont pas faire certaines courses dans l'Est? Il y a certaines années, ils venaient sur l'Essor Basque. Alors peut-être ils vont venir sur la... Ils sont pas venus sur les deux premières épreuves, ils vont venir sur les autres, mais c'est bien ça aussi pour les jeunes coureurs de se frotter au peloton des amateurs avec des anciens pros, tout ça. Où en est la Continentale aujourd'hui? On ne sait Mais pas, on où ne en est sait la pas. quantité justement? Ben, ça m'amène à une réflexion que je me suis faite quand j'ai reçu la composition de la Groupama FDJ pour le Tour de Valence. Mais j'étais vachement surpris de voir qu'il y avait un coureur de la Conti qui était présent au départ, c'est Enzo Paleni. En fait, j'étais pas surpris qu'il y ait un coureur, j'étais surpris que ce soit Enzo Paleni. Quand on regarde l'effectif, qu'on voit qu'il y a des Reuben Thompson, qu'il y a des Martinez, bon, Grégoire, ils sont peut-être un peu tendres, mais qu'il y a quand même d'autres gros talents qui sont au moins E2 ou E3. Bah, la question que je me suis posée, c'est pourquoi c'est Enzo Paleni qu'on fait monter alors qu'au final il y a très très peu de chances que lui fasse partie de l'effectif World Tour l'an prochain. Je me suis dit pourquoi par exemple un Reuben Thompson qui est assez exceptionnel, on ne l'a pas fait monter sur un Tour de Valence où il n'a pas de leader, il pouvait évoluer tranquillement pour voir justement bah, comment il se comportait et lui faire prendre de l'expérience, quoi. Il était resté en Australie, je sais pas. Ou Il lui était ou en un autre, hein, Australie. mais je veux dire pourquoi c'est Paleni quoi. Oui. Enfin pourquoi c'est un Non, mais mec c'est vrai qu'Enzo qu'on. Paleni, c'est pas le profil qu'on attend sur le Tour de Valence. Je suis d'accord. Après, je suis tout à fait CPT nous parle de Pennouette honnête. aussi, c'est vrai qu'on aurait Ouais. pu lancer Alors, Pennouette. attention tout de même avec tous les possibles cas Covid qu'il y a dans les équipes. Je vais leur laisser le doute. Par exemple, j'ai vu sur Strava que Romain Grégoire avait mis aucune sortie le dernier mois. Est-ce qu'il a eu le Covid ou quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Pendant que Lenny Martinez faisait des sorties de 160-170 bornes, peut-être qu'il y avait un autre coureur de prévu ou deux, et peut-être qu'il y a eu quelque chose. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'en effet, sinon, il n'y avait pas de leader à protéger sur le plat. Je ne pense pas que Valter jouait le général. Donc, c'est vrai que c'est intriguant. Après, ça peut permettre d'initier quelque chose, mais en fait, j'aurais plus vu Paleni pour le coup à Bessèges que Oui. à Valence. Bref, passons à la suite parce que sinon on va Oui. vraiment tout faire sur la GMDJ et c'est de ma faute, c'est moi qui ai relancé, désolé du coup. Pour finir sur Bessèges, ou pour finir ou pas d'ailleurs, parce que vous aurez peut-être d'autres choses à dire les gars, bah Greg, un mot sur Tobias Johansen, vainqueur du Tour de l'Avenir l'an passé, qui avait été très bon sur le Tour de République tchèque, enfin c'est le Saská Tour plus exactement, et qui l'a vraiment impressionné par son niveau physique cette semaine à Bessèges. Oui, tu l'as dit, donc vainqueur du Tour de l'Avenir, et forcément, vu le passé du Tour de l'Avenir, tous les vainqueurs, on les regarde d'un œil particulier. On les attend sur les courses, voilà, au niveau supérieur pour voir s'ils vont confirmer. Et là, pour le coup, voilà, sur des étapes assez difficiles et disputées, que ce soit vendredi, on l'a vu quoi, il fait deux troisième places, une première place, il gagne au bon bouquet. Et on l'a vu, c'était arrivé quand même en costaud, hein, le Mont Bouquet, c'est pas très long, mais il y a du pourcentage. On l'a vraiment vu à la bataille. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez spectaculaire de le voir à l'avant comme ça, à la bagarre sur des pentes difficiles, de le voir sur plusieurs jours, hein, parce que fait trois, il est battu par Cocquard et Pedersen qui sont forcément meilleurs sur le sprint que lui. Sur Bessèges, pareil, il est au duel avec Thomas et Bettiol. Voilà, on parlait de coureur qui va à la bagarre, qui a de l'audace. Pour le coup, Johansen, il en fait partie. Enfin, au moins, j'ai l'impression, parce que il a aussi fait plaisir, je trouve, dans le style, au-delà de ses capacités physiques, bon, qu'on connaissait déjà.
Je trouve que dans, voilà, dans le style, dans la mentalité, dans l'attitude, il a aussi. Ben moi, il m'a fait plaisir. Est-ce qu'on a une vraie pépite, la benne, qu'on pourrait voir exploser dès cette année? C'est fort possible. Mais après, j'attends de voir la suite des épreuves. Est-ce qu'il est en super forme hein, ou pas? Mais enfin, même s'il est en super forme, oui, c'est très très bien. Puis je crois qu'il n'a pas une très grande expérience sur route. C'est excellent. Et puis il a un style. Pas grand chose à dire. J'attends de voir, hein, mais c'est dans la lignée de son Tour de l'Avenir. Et ce qui montre que finalement, ben, le Tour de l'Avenir, même si de plus en plus des meilleurs coureurs le boudent, continue à révéler des coureurs. Tout à fait. Il y aura peut-être un premier test au Tour de Catalogne d'ailleurs pour Johansson parce que son équipe est invitée. Donc c'est quand même un parcours qui pourrait lui convenir. J'espère qu'il sera présent au départ. Avant de conclure, les gars, je voulais quand même avoir votre avis sur Brian Cocquard parce que Brian Cocquard, il a souvent été raillé quand il était chez BNB. Et c'est vrai que ça faisait à peu près 18 mois, je crois, qu'il n'avait pas levé les bras. Et là, on a l'impression, bah, à l'image d'un Benjamin Thomas, d'avoir retrouvé un Brian Cocquard souriant. Moi, j'ai trouvé assez radieux en interview et ça fait assez plaisir, à vrai dire. Surtout Ouais, de le voir je suis. gagner. Ouais, et gagner, Évidemment, oui, dans un premier temps, puis ça heureux change aussi. tout, mais voilà, enfin, c'est vrai que voilà, ça fait plaisir quand on voit un coureur qui a été quand même un petit peu en galère avec des performances décevantes, surtout, enfin, son arrivée, du moins j'ai trouvé, j'ai bien aimé le duel avec Mats Pedersen, parce que c'est vraiment un duel de brutasse quand même. Hein. Ah, il était violent le duel, ouais. Ouais, c'était vraiment, je trouvais que Ouais, c'était ça tapait impressionnant. fort. Hein. Tu les sentais souffrir. C'est beau quand c'est Ouais, comme ça me ça, je disait que trouve. c'était. C'est celui qui allait tenir le plus longtemps, c'est pas forcément le. C'est vraiment la résistance que ça s'est joué, hein, cette arrivée avec Pedersen. Tout à fait, je vois un commentaire de Ben et on cause pas de Remco. On en a parlé tout à l'heure, mais le replay va être dispo sur Dailymotion et YouTube comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à y aller. Et en même temps, j'en profite, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à nous suivre, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper nos émissions. Un autre mot, les garçons, sur cette étoile de Bessèges? Bah, Très belle les belles course. courses. Oui, vas-y, Ben. Ouais, juste très belle course, franchement. Alors, j'ai pas vu beaucoup d'étapes en direct. J'ai surtout regardé mes enregistrements, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un jour décevant. Je crois que tous les jours ont été intéressants. Et du fait qu'il y ait notamment des coureurs comme Johansen devant, j'ai vraiment l'impression qu'on a une génération qui aime attaquer, hein. Ouais, qui apporte de la fraîcheur, je trouve, c'est assez intéressant. Messieurs, il nous reste 8 minutes. On va pouvoir faire un petit preview, ou une petite présentation, pardon, pour rester un peu français ou francophone en tout cas. La semaine prochaine, on a deux belles épreuves, le Tour d'Oman et le Tour de la Provence. Alors, on ne va pas forcément trop évoquer Oman parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur la start list, à part que Mark Cavendish sera au départ, mais le Tour de la Provence va être Ne gagnera pas le intéressant. général, je vous l'annonce. Ne gagnera pas le général, sauf si l'étape de la Green Mountain est annulée, mais ça m'étonnerait quand même. Mais Tour de la Provence, un gros morceau. Malheureusement, on aurait dû avoir Egan Bernal, et ça me permet d'avoir une petite pensée pour lui, parce qu'il a l'air d'aller un petit peu mieux. On aura Julian Alaphilippe, Greg, qui va effectuer sa reprise. Tout à fait, c'est la reprise pour pas mal de parcours. Tu pourrais l'afficher d'ailleurs, s'il te Ouais, je plaît, vais mettre la Charles. start list sur le site de nos amis Le de parcours peut-être First sera plus simple. Cycling. Et aussi, ouais, tu peux sur First Cycling, vous avez aussi le parcours. Hein, en une image, vous avez les quatre étapes. Effectivement, une assez belle sortie. Sur raison, c'est la rentrée d'Alaphilippe. Il y aura qui d'autre? Je vois donc. Quintana? Normalement, oui, c'est ça. C'est ce que le nom que je cherchais. Normalement, la reprise de Quintana. Donc voilà, petit à petit, il y a Storer, hein, puisqu'on en parlait pour la FDJ. Donc petit à petit, les coureurs, il y aura Ethan Hayter, je crois aussi, pour Ineos, annoncé pour le moment, en sachant qu'évidemment, là, on est toujours suspendu au test Covid, donc forcément, on va rester prudent. Mais donc oui, ça y est, ça sent la reprise et on monte un petit peu en puissance hein, dans les start lists, donc ça fait toujours plaisir. Sur le parcours, on va peut-être en dire un petit mot. Je ne sais pas si. Vous avez d'abord, première étape, vous aurez un prologue de 7 km autour de l'étang de Berre. Ensuite, une étape vendredi 10 entre les Saintes-Maries de la Mer et attention au Mistral, parce qu'ils annoncent gros Mistral vendredi. Et puis, le 12 février, donc samedi, l'étape à Manosque,
plutôt vallonné avant l'arrivée. Donc dimanche, la montagne de Lure, la principale difficulté de ce Tour de la Provence. Ouais, un beau parcours, Benjamin, et une start list assez intéressante. Elle est provisoire, hein, je le rappelle, donc parfois il y a des changements. Je vais donner quelques noms avant de te donner la parole. On va te retrouver un Julio Chicone, par exemple, mais aussi Pierre Latour. Vous avez cité Quintana. Je vois aussi chez Movistar un Ivan Sosa. Julien Alaphilippe, on l'a dit. Richard Carapaz, ça va Carapace. dépendre hein, de son état, parce que forcément il a chuté, donc on n'est pas sûr qu'il sera au départ. Storer, Javier Romo, Pierre Roland côté français également, Victor Laffey et je crois avoir à peu près fait le tour Chris Neyland aussi pour Israël Startup Nation. Ouais, bah c'est un beau plateau avec un parcours qui commence à. Il commence à avoir une identité avec une grosse arrivée au sommet. C'est l'une des premières, peut-être la première ascension aussi longue, j'ai envie de dire. Et c'est sympa, il y a des coureurs qui viennent se tester. Alors, est-ce qu'on va voir un Nairo Quintana stratosphérique comme il y a 2 ans? Ou pas, à voir. Mais ouais, ben là, de plus en plus de coureurs reprennent. Et en effet, c'est le premier des quatre grands, on va dire, qui reprend sa saison avec Alaphilippe, puisque Roglic, Pogacar et Van Aert n'ont pas repris. Donc ça y est, hein, ben, petit à petit, D'ailleurs, Ben, je sais tout le pas ce monde que peut. tu en penses, mais on sent qu'il y a plus de courses cette année quand même. La start list n'a quand même pas grand-chose à voir avec celle de 2020 et 2021. On sent que c'est un peu plus éparpillé, qu'il y a Oman, qu'il y a Antalya, enfin qu'il y a eu plus de courses un peu à droite à gauche, quoi. Mais ouais, après un début de saison qui malheureusement lui a été perturbé puisqu'il n'y avait pas San Luis parce qu'il n'y avait pas Down Under, là ça y est, on est sur des semaines à 2-3 fronts simultanés. Et Que l'an putain, dernier, Valence avait lieu en mai, qu'est-ce ou que j'ai ça une fait bêtise, non? plaisir. Pardon? Valence avait lieu en mai l'an passé, non? Ou j'ai une bêtise? C'était le tour de Valence ou le tour de la communauté de Je sais Valence? plus. Dites-nous, hein, sur le chat si, hein, si on se trompe. Parce que Victor Laffey avait fait 4 tour de la communauté de Valence l'an dernier, où il fait 4. Ah non, c'est le tour de la communauté de Valence également cette année. Donc oui, ça avait été reporté. Et Majorque aussi, C'est, exact, tu as Majorque tout qui à avait lieu fait en mai. raison. Et donc Vlasov succède à Henrik Maas sur cette. C'est pas Maas qui avait gagné. Un Groupama. Mais voilà, ouais, une startiste qui va être sympa, un peu bizarre quand même au niveau des Français finalement, avec une étape de montagne. Finalement, on n'aura pas les meilleurs grimpeurs français, puisque Godu préfère reprendre à Algarve. Si on regarde vite fait du côté des Français, qui on peut attendre pour le classement général? Pierre Je sais Latour, pas, alors. Alaphilippe, hein, vu Hein? le plateau. Ouais, Alaphilippe, après, on va voir. Comment il est. Bon, je pense qu'il va vouloir faire une bonne performance parce que on rappelle que le Tour de la Provence, la directrice de course, c'est Marion Rousse, si je ne me trompe pas. Aurélien Paré-Partre. Donc, forcément, une motivation supplémentaire. Mais derrière Alaphilippe, alors il y a Pierre Latour, s'il y va toujours, qui en plus semble en meilleure forme que ce qu'il espérait. On va surtout regarder du côté d'AG2R avec Bouchard. Aurélien Paré-Peintre, est-ce qu'il sera là, vu qu'il avait fait une grosse chute au trophée de Majorque? Et Clément Berthet qui reprend sa saison, donc le VTTiste. Puis on Et pourra retrouver après. Cosnefroid, moi je serais pas étonné, il a été forfait là pour des soucis familiaux à Bessèges, donc peut-être que pour sa préparation. Je crois, je me demande s'il va y être parce que je ne sais pas s'il a beaucoup d'étapes qui lui conviennent en fait. C'est vrai, celle du samedi peut-être, mais peut-être Ouais. trop dur. Et après, c'est la première course par étape de Nice Métropole Côte d'Azur. Après Lucénante à Bessèges, voici la Nice Métropole Côte d'Azur qui arrive Avec Antoine sur le Tour de la Berland. Provence avec ses grimpeurs, avec Goubert, avec Berlin également, Antoine Berlin, qui reprendra sa saison également. Alors justement, on va finir avec les paris, parce qu'il est 20h, on a fait 1 heure d'émission, on était censé faire une demi-heure, on a C'est clair. dépassé, c'est de ma faute. Je vois nos pics qui arrivent, parfait Daniel, tu arrives pour l'heure des paris. Je vais commencer avec Greg pour le Tour de la Provence, on va pas faire Oman parce qu'on n'a pas la start list, ça voudrait pas dire grand-chose. Greg, ton podium pour le Tour de la Provence. Alors, je vais te donner Quintana, Alaphilippe, Storer.
D'accord, ben je vais donner le mien pour vous laisser le temps de donner le vôtre sur le live et puis pour laisser un peu de temps à Ben pour réfléchir. Moi, je vais dire Julien Alaphilippe, que je sens bien sur ce type de parcours avec le chrono initial devant Nairo Quintana. Et en troisième, je vais dire Julio Ciccone. C'est compliqué vraiment. Alors, on va dire, ouais, bah, je vais changer. Je vais changer. Je vais dire victoire de Clément Berthet devant Pierre Latour et Nairo Quintana. Du coup, on n'ose plus se moquer de son pronostic Clément Berthet parce qu'on ne va Exactement. pas avoir l'air de con la semaine prochaine. Donc, on se Non, méfie. bon, après, je sais pas, ça va dépendre du vent, tout Mais ça, Clément Berthet mais sera à je suis suivre. hype par Clément Berthet. Tout à fait. Mais si on va donner les rendez-vous, du coup, avant de vous laisser. Donc, ne quittez pas tout de suite. On a encore 30 secondes, une minute. Ben, on commence par ton quiz mardi. Alors, c'est une soirée vélo maintenant que je fais, parce qu'il y a le quiz à 18h30, donc axé sur le Tour de France, avec classement général, selon vos réponses, tout ça. Vous verrez si vous venez, c'est affiché à l'écran. À 19h15, puisque le quiz termine après par là, il y a les pronostics. Donc, ce sera les. Il y en aura pas mal cette semaine à faire de pronostics. Donc là, vous choisissez un coureur qui doit finir dans le top 10 des courses. Ensuite, je me fais une petite émission chaque fois sur les Français. Alors, elle n'a pas encore de nom, peut-être Cocardier comme Mackayon. Et je reviendrai, ou on reviendra si vous voulez, monsieur, vous pouvez venir sur les coureurs français qu'on n'a pas abordés cette émission. Donc, peut-être la première course par étape de Lucas Nant, peut-être sur la Total Energy également, qui a fait une bonne saison. Et peut-être des gars comme Thibaut Guernalec, tout ça. Et voilà. Mais je crois que vous avez une émission avant, si je ne me trompe pas. Ouais, Greg, nous on se donne rendez-vous demain à 18h30 pour une émission sur Rivals Manager. Alors, je sais que vous êtes archi Demain, nombreux 18h30. à nous demander à chaque fois des émissions sur Rivals, donc on va en faire une demain soir à 18h30. Normalement, c'est même quasiment sûr, mardi, on va faire un truc aussi, mais en plus en début d'après-midi, je pense qu'on va essayer de vous faire une présentation un petit peu plus complète, ou à moins qu'on la fasse mercredi, mais on verra en tout cas un des deux midis. Des deux épreuves, donc Oman et la Provence, un truc un petit peu plus complet. Et on verra en fin de semaine avec Grégory aussi. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous faire une petite émission sur la course au World Tour, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, hein. L'émission était très dense aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup d'équipes qui ont marqué beaucoup de points, notamment Cofidis et Lotto, Arkea aussi, donc il y aura des choses à dire. Donc je pense C'est intéressant, ouais. une émission intéressante hein, des matins en fin de semaine. Donc pensez à bien nous suivre sur la chaîne si vous voulez rien louper. Parce que là, comme les gars sont en vacances, on risque d'avoir un programme assez dense jusqu'à vendredi. Tout Puis le monde n'est dimanche, pas en vacances, monsieur. tout le monde n'est pas en vacances, exactement. Moi je travaille d'ailleurs, encore à cette heure-là. Mais Et moi aussi. on se donne rendez-vous bah, aussi dimanche prochain à 19h. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre, relayer les émissions autour de vous. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, ça fait vraiment plaisir et ça nous encourage à en faire plus. Donc, grand merci à vous tous. Merci les gars, bonne soirée et à très vite. À Revoir. demain, salut! Salut.